Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à Fréjus pour suivre la finale du tournoi sur invitation 1980. Une finale qui va opposer dans quelques instants les deux Américains entre eux. D'une part, Roscoe Tanner et d'autre part, Jimmy Connors qui se sont qualifiés donc tous les deux pour disputer cette finale alors qu'il y avait 8 joueurs au départ dans ce tournoi. Qui étaient McEnroe, Vilas, Tanner, Connors, Panatta, Becci, Noah et Kojol. On connaît tous les accessites puisque tout à l'heure, pour la troisième place, McEnroe l'a emporté en 2-7 face à l'Argentin Guillermo Vilas. Que Victor Becci l'a emporté pour la cinquième place face à l'Italien Adriano Panatta. En 3-7, 6-4 au troisième set et que Yannick Noah l'a emporté en 2-7, 6-3, 6-2 pour la septième place face à Jean-François Kojol. Place maintenant pour la première et deuxième place entre Jimmy Connors au premier plan ici sur votre écran. Vainqueur à Wimbledon en 1974, vainqueur à plusieurs reprises de l'Open des États-Unis, tant à Forest Hill qu'à Flushing Meadow. Et puis Roscoe Tanner, finaliste l'année dernière à Wimbledon, où il avait poussé Björn Borg, le Suédois, au cinquième set. Au service, Tanner. Remarquable. Première apparition de Connors au filet et première volée gagnée. Et déjà trois possibilités pour Connors de prendre d'entrée le service de Tanner. Le premier. Et Connors qui prend donc le service de Tanner d'entrée, un service qui sera bien difficile à récupérer car sur cette surface, eh bien, le service représente un gros avantage, du moins pour Roscoe Tanner, car dans la distribution du fond du court, Connors est très nettement supérieur à son compatriote, Connors que vous voyez ici en gros plan. Et qui joue ici sur une de ses surfaces préférées, une surface synthétique qui lui permet de ne pas plier trop les jambes et de rentrer
dans la balle, comme à l'accoutumée. Assurément, la surface idéale pour Jimmy Connors, qui terminait ici en volée de coup droit. Un échange au cours du premier jeu de cette finale. Les deux hommes jouaient dans la même poule au Cap d'Agde et s'étaient rencontrés, Connors l'ayant emporté il y a 3 jours en 2-7, 6-3, 6-3. Un instant du fond du cours, il est peu probable que Tanner puisse inquiéter Jimmy Connors. Les jeux blancs pour Connors qui se détache et mène 2-0. Alors que la partie est commencée depuis 5 minutes très exactement. En fait, la clé de cette partie tient dans la qualité de la première balle de service de Tanner. Car lorsqu'elle passe, il est quasiment impossible de retourner son service. Voilà. Remarquablement fort. Un coup que Connors a masqué au maximum. Un excellent début de partie, les deux hommes sont rentrés immédiatement dans le vif du sujet et libèrent totalement leur coup. Vraiment bien sympathique, Connors.
total de 3-0 pour Connors en passe de prendre pour la deuxième fois le service de son compatriote. Non, les fautes. Avantage à Tanner. Encore fort bien joué de la part de Connor. Et Joe Connors qui prend donc pour la deuxième fois le service de Tanner pour mener maintenant par 3-0 dans le premier set. Un Connors qui joue à son maximum, qui ne commet pratiquement aucune erreur. Et vous avez pu le constater sur tous les échanges joués du fond du court. Eh bien, Tanner n'a pas réussi une seule fois à prendre en défaut Jimmy Connors. Les seuls points réussis par Tanner l'ayant été au filet. Mais il est bien difficile de monter au filet sur cette surface, du moins face à Connors. Car contrairement à l'herbe où le rebond est très bas et où Connors doit plier au maximum les jambes et ne peut pas rentrer dans la balle comme à l'accoutumée, eh bien là, il faut monter parfaitement sous peine d'être passé immédiatement. En fait, tout tient dans cette première balle de service de Tanner. Si elle passe, eh bien, il pourra inquiéter Connors, mais j'en doute car vraiment, toutes les parties que nous avons vues jouer par l'ex-champion de Wimbledon ont été dominées par lui très nettement. Il est d'ailleurs le seul des 8 joueurs à n'avoir pas perdu une rencontre depuis le début de ce tournoi sur invitation. Première faute de Connor. Je doute qu'en finale de Wimbledon, dans un tournoi officiel, Tanner ait pu lâcher ce coup de cette façon. En tout cas, c'est tout à fait remarquable.
Balle de 4 jeux à 0, une partie à sens unique pour l'instant. La balle est annoncée dehors. Et le jeu est donné à Connors. Difficile de se faire une idée là encore. Les balles vont tellement vite. Tanner ne proteste pas. Et là, évidemment, il n'y a pas de trace laissée comme sur la terre battue. Connors a peut-être le tort de contester un petit peu la décision d'arbitrage de Robert Penuel, car le public risque de profiter de cette occasion. Retour en force. Et une balle de 5 jeux à 0 pour Connors dans ce premier set. Et une double faute pour Tanner, 5 jeux à 0. Tanner qui doit être fou de rage. Car d'une part, il est dominé très largement par Connors qui connaît lui un maximum de réussite et qui semble avoir une envie de jouer extraordinaire ce soir, alors que Tanner lui a quelques difficultés.
avec sa première balle de service. Et cela, bien entendu, conditionne tout le jeu de Tanner, qui n'a pas d'autres ressources. Alors que vous avez pu revoir au ralenti le merveilleux jeu de jambes de Jimmy Connors, qui à n'en point douter sera fin prêt à Flushing Meadows pour prouver qu'il est là et bien là. Lui qui n'a pas atteint la finale d'un grand tournoi depuis septembre 1978, où il avait remporté Flushing Meadows, la première édition de Flushing Meadows, en battant Borg en 3-7. Non, beaucoup trop long. 15 à 3. Peu de choses à faire contre ce Connors-là qui possède maintenant une balle de 7. Oh là 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 là! Vraiment, si Connors a commis 4 fautes dans ce set, c'est un maximum. Un set expédié en 22 minutes. Il doit y avoir bien longtemps que Roscoe Tanner n'a pas pris 6-0 devant un joueur. Complètement KO, Tanner. Il y a de quoi. Oh,
Bien joué, Tanner. Ah, ce serait une bonne chose s'il pouvait rentrer dans le match pour l'intérêt de cette finale et pour l'intérêt du spectacle surtout. On sort bien Tanner. C'est vraiment la première grosse faute de Connor, car Tanner était monté très très en angle et bien court. Mais Connor n'a pas su profiter de l'occasion et Tanner mène donc un jeu à zéro dans ce deuxième set. Il n'en a pas perdu le sourire, malgré le fait d'être dominé outrageusement par Connors depuis le début de cette rencontre. La montée très courte et très en angle. Et Connors manque totalement son passing shot le long de la ligne. On peut ajouter que dans un grand tournoi, les deux hommes se sont rencontrés deux fois cette année au Masters au mois de janvier dernier, où Connors l'avait emporté en 3-7, la partie se jouant au meilleur des 3-7, et à Wimbledon en quart de finale. Vous aviez d'ailleurs pu suivre cette partie sur Antenne 2. Connors l'emportant en 4-7. Non, il est complètement perdu là, Robert Penerel. Et le public en profite. Deux balles d'égalisation à un jeu partout dans ce second set. Sympathique de la part de Connors et Tanner qui viennent d'échanger leurs raquettes. Thank you.
vrai regrettable que cette finale soit gâchée par des incidents d'arbitrage. Mais soyons-en sûrs. Les deux hommes vont de nouveau se concentrer et produire un bon spectacle. Jeu Connors qui égalise donc à un jeu partout dans le deuxième set. Image en tous les cas bien sympathique lorsque l'on connaît les rivalités inhérentes à la vie d'un joueur de tennis. Et le pauvre Robert Penerel, complètement perdu sur sa chaise d'arbitre, il vient d'annoncer deux jeux à zéro. Il n'aimerait pas être à sa place en ce moment. Ok, one. Now we play. Please, we play that one. Okay? We play that one. One more. Oh la la! Bien reçu. Un très beau trucage réalisé par nos camarades de la Société française de production. Maintenant, le lob de Tanner était en dehors des limites du tour, mais quel bel échange entre ces deux hommes. Ah, je comprends
qu'on nous le remontre pour le plaisir des yeux. Et Connors qui prend une nouvelle fois le service de Roscoe Tanner pour mener 2-1 et son service à suivre dans ce second set. Connors qui fait une véritable démonstration. Et lorsqu'il joue de cette façon, il y a pratiquement aucun joueur au monde susceptible de le battre. C'est vraiment tout faire. Et en plus, il connaît un maximum de réussite dans ses retours de service. Il est vrai qu'il n'est pas un novice en la matière, étant réputé pour être l'un des meilleurs relanceurs du monde avec Björn Borg. Service Connors avec des balles neuves. Good one. How was it? Perhaps good. Perhaps good, okay. Vous voyez les fautes, cette balle de Tanner. Et 2 balles de 3-1 pour Connors. Voilà qui est fait. 3-1. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de surprise au cours de cette finale. Connors peut paraître être trop supérieur à Tanner ce soir.
Zero at bat. Un coup difficile à faire pourtant car l'attaque de Connor c'était très profonde. Le jeu Tanner, il n'est plus mené maintenant que par 3 jeux à 2 dans ce deuxième set. Mais Connors donne toujours l'impression de dominer cette partie très largement. De toutes les façons, l'envie de jouer de Connors ce soir fait extrêmement plaisir à voir. Connors au service. Le public lui aussi est KO devant la démonstration de Connors.
Et je, Tanner, qui pour la première fois depuis le début de la partie, prend le service de Connors. C'est peut-être l'instant d'un regain d'intérêt dans cette finale, car il faut bien l'avouer, la partie a baissé largement d'un ton depuis quelques instants. Oui, juste dehors. Et deux balles de 4 jeux à 3 pour Roscoe Tanner. Grosse faute de Tanner. C'est vrai que Tanner collait tellement au filet qu'il ne pouvait pas se placer convenablement pour exécuter cette volée. C'est bon, ça va. Ce tapis choqué dans la ligne. Et à son tour, Connors possède une balle de 4 jeux à 3 dans ce second set et sur le service de Tanner. Personnellement, que cette balle était faute. Professeur,
maintenant. Sens de l'anticipation, Connor s'était parti du mauvais côté et il n'a pu rétablir l'équilibre pour relancer convenablement le service de Tanner qui mène maintenant par 4 jeux à 3. Il est certain que Connor ne connaît plus l'extrême réussite du premier set et même du début du second set. Mais Tanner lui aussi est rentré petit à petit dans la partie. Il sert notamment beaucoup mieux. Voilà, vous l'avez constaté, Connors était parti à droite et il n'a pu revenir se placer pour effectuer la relance. Les deux hommes ont perdu une fois leur service chacun dans ce deuxième set. C'est au tour de Connors d'effectuer sa mise en jeu. Non, il prend trop de risques là sur ce coup droit. Et deux balles d'égalisation à 4 jeux partout pour Connors. Jeu Connors. 4 jeux partout secondaire. Gagne la première. Beaucoup trop de fautes en ce moment de part et d'autre pour que l'on puisse totalement apprécier cette finale.
0 à 4. Qui remporte donc le 9e jeu du second set pour mener maintenant par 5 jeux à 4. Mais cette partie a très nettement baissé d'intensité. Qu'ils le veuillent ou non, les deux joueurs ont fini par se déconcentrer, l'un comme l'autre. Après leur petit numéro exécuté tout à l'heure, un numéro fort sympathique d'ailleurs. La moitié plus facile, Tonnerre. Thank you.
40. Et je compte pour Connors qui gagne donc à 5 jeux partout dans ce deuxième set. Un set où les erreurs prédominent. De la part de ta mère. Ta mère qui mène donc par 6 jeux à 5. Si Connors remporte son service comme la logique le voudrait, eh bien il y aura tie-break dans ce second set. Peut-être l'occasion pour le public de se réveiller quelque peu. Et pour les deux joueurs de jouer enfin bien en même temps, ce qui n'est pas le cas. Tous les jeux étant remportés par le serveur sans que l'adversaire fasse le moindre point, à l'exception de ce dernier jeu où Connors avait réussi à faire un point. Vraiment une partie très décevante depuis un bon moment. Okay,
remarquable attaque avec une balle prise au sommet du rebond en coup droit. Deux balles de 6 jeux partout pour Connors. Voilà, tie break donc, qui va déterminer de l'issue de cette partie où Connors le remporte et gagne cette finale, où Tanner gagne ce tie break et nous irons vers un troisième set. Et si c'était le cas, j'espère que le tennis serait de bien meilleure qualité. Tanner 1.0. Tanner 1.0. Un point partout. Un point partout. Et encore un service pour Connors. Tanner 2.1, c'est à son tour de servir pour deux fois de suite. Tanner 3 points à 1. Tanner mène par 3 points à 1. Et un ace, 4 points à 1. Au tour de Connors de servir. Et je vous rappelle que le 7 sera remporté par celui des deux hommes qui arrivera le premier à 7 points avec 2 points d'écart. Points à 2. 4 plus 2 égale 6. C'est dire que les deux joueurs vont maintenant changer de côté. Et c'est toujours à Connors de servir.
Premier service. Tanner mène 4 points à 3. Mais c'est à Tanner de servir maintenant pour 2 fois. Point 3 pour Tanner. Point 3, soit 3 balles de 7 pour Tanner au tour de Connors de servir. Pardon. Point à 5 pour Roscoe Tanner, 2 balles de 7 sauvées par Connors, mais c'est au tour de Tanner de servir. Tanner possédant toujours une balle de 7. La partie étant commencée depuis 1h15. À 6 points partout sur un retour assez extraordinaire, un retour réflexe, les deux hommes changeant de côté. Tanner devant servir une nouvelle fois, car vous avez pu constater une nouvelle fois les qualités de gagneur et de battant de Connors qui vient de sauver 3 balles de 7. Et croyez-moi, surtout sur le dernier service de Tanner, il fallait le faire. Point 6 pour Connors qui possède Connors maintenant une balle de match. Et c'est à son tour de servir.
Bien joué de la part de Tanner qui n'a pas hésité pour faire pression sur l'adversaire à monter sur la seconde balle de service de Connors. Qui a fait la faute le premier, 7 points partout. Connors au service de nouveau. Belle. 8 points à 7 pour Tanner qui va servir et qui possède maintenant une quatrième balle de 7. Tanner mène 8 points à 7. Quel retour. 8 points partout. 8 points partout. Premier service. Attends, c'est par le trou, pardon. Second service. Oui, oui, je crois que cette balle de 9 points à 8. Connors était faute. Cinquième balle de 7 pour Tanner, mais c'est Connors qui est au service. Partout. On change de côté. Les deux joueurs changent de nouveau de côté. C'est à Connors de servir. Les balles. Point 9 pour Connors à Tanner de servir et c'est la deuxième balle de match en faveur de Connors qui par ailleurs a sauvé 5 balles de 7 au cours de ce tie-break. Et un service gagnant de Tanner au bon moment. 10 points partout.
11 points à 10 pour Tanner. Sixième balle de 7. Tanner mène à 11 points à 10. Mais c'est au tour de Connors de servir. C'était remporté finalement par Roscoe Tanner. 12 points à 10 dans le tie-break. Voilà un retournement de situation assez extraordinaire car Roscoe Tanner était largement dominé depuis le début de la partie par Connors qui a mené, je vous le rappelle, 6-0 et 3 jeux à 1 et qui inexplicablement s'est déconcentré pour perdre finalement ce set malgré une belle réaction dans le tie-break. Mais le tie-break, vous vous en rendez bien compte, c'est quitte ou double. Connors s'est incliné à la sixième balle de set, après avoir compté pourtant deux balles de match en sa faveur. Voilà qui nous amène donc vers un troisième set, alors que la partie est commencée depuis 1h23. C'est Connors qui va servir le premier dans cette manche décisive. Commet beaucoup de fautes, Connors, maintenant.
une partie très décousue. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas, ne manifestant plus depuis un bon moment déjà.7 minutes que le jeu est commencé. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Deux, Tanner. Et Tanner.
1-0 la balance, on change de balle. Remporte donc ce jeu et prend le service de Connors d'entrée dans ce troisième set. C'est drôle de constater que même à ce niveau, une partie peut perdre de son intérêt à tel point, car il n'y a plus grand chose de bon. Oh, de temps en temps, bien sûr, un bel échange, mais en règle générale, les fautes ont la primeur. Monsieur Francisco Garcia a demandé d'urgence chez lui. Je suis heureux de constater que dans les tribunes, les gens n'ont pas froid. Sont en maillot de bain. Et Tanner au service avec des balles neuves. Trois balles d'égalisation à un jeu partout pour Connors, en passe de refaire son handicap. Il a d'ailleurs tout intérêt à le faire immédiatement s'il veut remporter cette partie. Voilà, Connor s'égalise donc à un jeu partout. Dans ce dernier set, les joueurs et les spectateurs ont bien du courage car il est quand même 00h30 à Fréjus. Personnellement, si j'ai rarement vu jouer Connors aussi bien qu'au cours du premier set, je l'ai rarement vu jouer aussi mal que depuis le milieu du second set. Premier set.
super gagne. Je t'arrête. Il mène par 2-1. Dernière manche. Enfin, en l'occurrence, là, ce serait plutôt à qui perd-perd. Et Connors qui perd donc pour la deuxième fois de suite son service dans ce troisième set. La fin de match va être très difficile. Et Tyriac ne perd pas une occasion d'en savoir encore un peu plus sur le tennis. Oui, oui, la balle de sa mère était faute. Avancée à retardement. La faute en incombe au juge de ligne qui ne l'a pas signalé suffisamment tôt. Mais Robert Penoël a rectifié l'erreur. I'm just idiot. Will you ask the people in the stands to be quiet so I can hear? Yes.
évidemment, à ce que le public ne circule pas pendant les échanges. Il reste assis. Le silence aussi. Avantage de Tanner. Autant Connors a avancé sur la balle au cours de la première partie de cette rencontre, autant il prend la balle tard maintenant. Faute cette balle de tonnerre. Jeu tonnerre, 3 jeux à dernière manche. Bon, ben. La décision est accordée en faveur de Tanner qui fait donc le break et mène par 3 jeux à 1 dans ce dernier set. Tanner se contente de remettre la balle dans le court. Connors fait immanquablement la faute, y compris en fond de court. Avantage Connors.
de Connors. Et bien voilà, même les joueurs en veulent à la télévision. On ne peut en mentir, puisque Connors remporte ce cinquième jeu de la troisième manche et n'est plus mené maintenant que par 3-2, mais a toujours ce service de retard perdu dès le premier jeu de ce troisième set face à Tanner. Un Tanner chez qui on constate tout de même de grands progrès dans son jeu de fond de court, bien qu'il tente encore trop systématiquement le coup gagnant du fond du court. Il est certain que pour ce faire, il faut toujours être extrêmement bien placé sur la balle. Et il est indéniable que Tanner est moins rapide, moins mobile sur ses jambes qu'un Gerulaitis, Borg, Vilas ou McEnroe. Au service Tanner qui mène 3-2 dans cette troisième manche. Premier set remporté par Connors 6-0. Deuxième set par Tanner 7-6 et 12 points à 10 au tie-break. 3-2 donc pour Tanner au service. Et il en tire les bénéfices puisqu'il possède maintenant 3 balles d'égalisation à 3 jeux partout dans ce dernier set. Et bien voilà, jeu blanc. Et Connors revenu comme par miracle dans la partie. Une partie qu'il semblait avoir abandonnée. Mais c'était encore mal le connaître. De toute évidence, il n'a pas envie de perdre cette finale, même s'il s'agit d'un tournoi exhibition. Et du même coup, la partie a retrouvé un petit peu d'intérêt et de qualité. De passer une shot devant de la ligne sur une bonne montée au filet de Tanner.
40-0. Et 8e point de suite marqué par Connors, qui était mené 3 jeux à 1 dans cette dernière manche et qui mène maintenant par 4 jeux à 3. Les deux hommes ayant perdu 2 fois chacun leur service. Il a l'air content, Connors. Peut-être a-t-il été quelque peu inquiet, non pas qu'une partie lui échappe, mais que son tennis lui échappe, car durant une heure, il a accumulé les erreurs, ce dont bien entendu a profité Tanner, qui à son tour semble accuser quelque peu la fatigue, car il faut le signaler, les deux joueurs jouent depuis pratiquement 2 heures. Il est quand même 1 heure moins le quart du matin, bien entendu. Vraiment un rude métier pour ces joueurs qui sont soumis à de fréquents décalages horaires. Ils doivent bien avoir du mal dans ces conditions à trouver le sommeil. Oui, Tanner qui est gêné par le public qui manifeste un peu trop bruyamment dans les tribunes. Et Connors a marqué son 9e point de suite. De mauvaise humeur de la part de Tanner. Un geste compréhensible car les deux joueurs s'efforcent depuis 2 heures de pratiquer une partie de tennis. Double faute. 0-3. Et 10e point de suite pour Connors. Premier service. Deuxième point de suite pour Connors, à moins que cette balle ne soit annoncée faute. Mais je crois de toute façon que... 0-30, 0-40. Oui, le point est accordé à Connors. 0-40, 11e point de suite donc pour Connors.
qui a maintenant 3 balles de break en sa faveur. Et 12e point de suite. Trois jeux blancs réussis par Connors qui revient de très très loin et qui va maintenant servir pour le match puisqu'il mène par 5 jeux à 3 dans ce dernier set. C'est évident qu'après 2 heures de jeu, eh bien, la première balle de service de Tanner est beaucoup moins puissante, ce qui facilite la tâche de Connors. 13e point de suite. C'est tout de même rare de voir une telle série dans une rencontre entre deux joueurs de tel niveau. Quatorzième point de suite et 30-0. Connors à 2 points de la victoire. Quinzième point de suite, 40-0, 3 balles de match pour Connors. Je vous le rappelle, on a déjà eu 2 au cours du tie-break du second set. Et bien voilà, fin de cette rencontre et victoire finale dans ce Carré d'As 1980 de Jimmy Connors en 3 sets, 6-0, 6-7, 6-3. Connors qui aura marqué les 16 derniers points de cette rencontre sans en concéder un seul. C'est tout de même une chose très très rare à laquelle nous venons d'assister. Une partie bien décousue avec un premier set fantastique de Connors. Et puis une baisse de régime incompréhensible de Connors alors que Tanner proposait surface. Et puis 5 derniers jeux extraordinaires là encore de Jimmy Connors. Mais il est vrai que Tanner a semblé accuser quelque peu la fatigue. Victoire donc finale de Connors devant Tanner pour la 2e place, McEnroe 3e, Villas 4e.